Missionnaire, les pauvres et ceux et celles qui souffrent, accorde-nous par son intercession de nous conformer toujours à ta volonté et de répondre généreusement aux besoins de nos frères et sœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 1, les versets 26 à 31. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni des gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose, afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. Grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, qui a été envoyé par lui pour être notre sagesse, pour être notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut s'enorgueillir, qu'il mette son orgueil dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, chercher ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère.
Tu restes mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu mon salut. Mon père et ma mère m'abandonnent. Le Seigneur me reçoit. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur. Conduis-moi par les routes sûres, malgré ceux qui me guettent. Ne me livre pas à la merci de l'adversaire. Contre moi se sont levés de faux témoins qui soufflent la violence. Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. À l'épreuve en disant: Maître,
Que dois-je faire pour avoir un héritage, la vie éternelle ? Jésus lui demanda, dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Et comment lis-tu ? L'autre répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain ? Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sous des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué le cou, s'en allèrent le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un Lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ?» Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Paix et joie du Christ. Amen. Paix et joie du Christ. Amen. On a encore saisi la tendance. La troisième qu'on dit Amen. Je suppose que tous, autant que nous sommes, nous voulons hériter le paradis. Nous voulons être auprès de nos ancêtres en train de jubiler, en train d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Voici certainement une idée qui a poussé ce jeune homme à aller questionner le Christ. Pour lui dire, que dois-je faire pour avoir part à l'héritage éternel, au royaume éternel? Et bien sûr, le Christ lui donne une réponse assez simpliste. Peut-être ce dernier voulait que le Christ lui donne un raccourci. Et cela me rappelle, bien évidemment, je me rappelle d'une histoire d'un monsieur qui travaillait à l'aéroport. Et dans son rêve, il voulait toujours être pilote. Il voulait piloter un avion. Alors un jour, pendant qu'il était dans l'avion, et qu'il, bien sûr, nettoyait cet avion parce qu'il était employé, mais pour nettoyer les avions, l'intérieur. Il voit la cabine ouverte. Il dit, voici une occasion m'est donnée pour piloter un avion. Chanceux qu'il était, il trouve sur le siège du copilote le manuel qui décrit comment est-ce qu'il faut piloter un avion. Lorsqu'il l'ouvre, il voit, il est écrit,
Si tu appuies sur ce bouton, l'avion se mettra en marche. Il appuie. L'avion commençait à avancer. Et il continue la lecture. Il voit, si tu voudrais que l'avion prenne son envol, appuie sur ce bouton. Il appuyait. Et l'avion a pris son envol. Il commençait à voler. Et alors, il se rappelle que mais un avion, après avoir volé, doit atterrir. Et dans le manuel, on lui dit, pour connaître comment faire atterrir un avion, consulte l'autre manuel qui était avec le vrai pilote dans l'hôtel. L'appel du Christ. Amen. Imaginez la suite. Nous voulons, frères et sœurs, les pistes, des raccourcis pour pouvoir atteindre un objectif. C'est ce qui a poussé, bien évidemment, ce jeune à aller voir le Christ pour lui dire, que dois-je faire? Et le Christ répond, mais Moïse nous a donné la loi. Les prophètes également. Nous avons cette loi qui est résumée. Honore Dieu. Adore Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et aime ton prochain comme toi-même. Il a dit tout cela, je l'ai fait. Et après, il va même plus loin pour dire au Seigneur, mais qui est mon prochain? Et si je m'amuse à vous poser la question, qui est le prochain? Eh bien, je recevrai certainement plusieurs éléments de réponse. Ce qui est normal. Le prochain, bien sûr, lorsqu'on voit le bon samaritain, on voit également le pauvre. Le prochain est le pauvre. Le prochain est celui ou celle qui a besoin de notre effort, de notre aide. C'est ça le prochain. C'est ça le pauvre. Mais la tendance normale est que le pauvre est celui qui mendie à l'extérieur. Qui est bien sûr à l'extérieur, qui longe le mur de Saint-Michel à nous demander 25 francs, 50 francs, et qui passe la nuit là, sans couverture, sans rien manger. C'est ça le pauvre. Et nous le sommes tous. Tous autant que nous sommes. Nous sommes pauvres parce que nous sommes des mendiants. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Et voici une que nous célébrons aujourd'hui, qui pour elle s'est focalisée sur l'option privilégiée des pauvres, Jeanne Émilie, qui a vu la situation de ses frères et sœurs et s'est évertuée par la formation intellectuelle. Voilà pourquoi, bien sûr, l'on a pour motto, on va le dire en anglais, éduquer pour transformer. Mais une question se pose. Parmi les structures que nous avons, est-ce que nous pouvons encore dire que nous sommes restés fidèles au charisme et à l'esprit missionnaire de notre fondatrice qui veut auprès d'elle des pauvres, des marginalisés, des souffrants, des malades et même des prostituées? Sommes-nous encore fidèles au charisme de notre fondatrice? Nous avons des écoles, bien sûr, mais est-ce que ces écoles, nous trouvons ces écoles, nous trouvons des pauvres, des enfants des pauvres? Ou alors la majorité de nos écoles, ce sont des personnes avec les GX qui viennent garer? Le pauvre, le père, la mère, qui a Timichos, qui a Bogotier, qui a Mkembo, est-ce que ce pauvre parent peut venir inscrire son enfant dans nos établissements actuels? Je ne suis pas en train d'accuser les sœurs, la peine de Christ. Bien sûr, je parle de manière générale. Et voilà un modèle qui nous est présenté. Voilà un modèle qui nous est donné aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous célébrons. Parce qu'elle a su prêter une oreille attentive aux réalités de sa société. Elle s'est évertuée et s'est donnée corps et âme pour la cause des pauvres
Et nous sommes appelés à faire de même. Voilà que l'on nous présente cet homme qui a été violenté. Voilà que l'on nous présente cet homme qui a été volé. Le pauvre. Et les textes nous précisent que le prêtre est passé par là, un lévite est passé par là, un juif est passé par là. Mais personne n'a daigné même jeter un regard sur l'autre. Et c'est le même comportement que nous avons. Parce que quand je le disais il y a cela plusieurs jours, que s'il y a un mal qui davantage nous plonge dans les ténèbres, je dirais, eh bien c'est l'indifférence. Chacun pour soi, Dieu le pousse. Ce qui t'arrive aujourd'hui ne me concerne pas. C'est normal, parce qu'aujourd'hui c'est l'autre qui souffre. Aujourd'hui c'est X qui souffre, mais demain ce sera toi. Alors l'indifférence est en train de nous englober, de nous envahir. Au point où nous négligeons même, nous ne savons plus comment aider. Nous ne savons plus comment aider. Mais le Christ aujourd'hui attire votre attention pour dire que les pauvres ne sont pas que ceux et celles qui sont à l'extérieur, qui mendient jour et nuit. Mais le pauvre, le tout premier pauvre est celui ou celle qui est assis ou assise à côté de toi. C'est ton frère, c'est ta soeur que tu critiques. Le pauvre, c'est celui qui a besoin de ton assistance, de ta tendresse, de ta présence. Mais je voudrais aller un peu plus loin parce qu'il y a un élément dans l'évangile que nous négligeons. C'est l'aubergiste qui, bien sûr, a su donner des soins à celui qui a été violenté et agressé. Et l'homme lui dit, fais ton nécessaire et fais en sorte que ce dernier se rétablisse et lorsque je reviendrai, je te paierai. Il a certainement accompli sa mission. Il a également accompli sa responsabilité. Et tout ce temps que nous sommes responsables parce que notre sainte patronne nous a donné une mission. Que faites-vous de cette mission? D'abord, dans votre propre vie, dans la vie de vos familles, dans la vie de votre communauté, de votre fraternité, que faites-vous de cette mission que la sainte nous a léguée? Que faisons-nous, frères et sœurs? Que faisons-nous de cette mission? Parce que être responsable, c'est aussi assurer la génération future. C'est se dire que je suis ici pour un temps et que demain et après-demain, je suis appelé à partir. Alors je dois faire en sorte que ceux qui viendront après moi, eh bien, trouvent des conditions idoines pour mieux travailler et accomplir aussi leur mission. Mais il est dommage de savoir qu'il y a certaines personnes, tu es responsable aujourd'hui, tu règnes en maître et seigneur. À part quand il n'y a plus une autre personne qui pourrait assurer cette responsabilité. Au lieu d'assurer la génération qui doit venir. Donc à part toi, personne d'autre ne peut chanter. À part toi, personne d'autre ne peut jouer au balafon. À part toi, personne d'autre ne peut prendre des décisions. Appel du Christ. Il t'a donné Amen. Ne dis pas Amen. Je sais que ce sont des réalités. Mais aujourd'hui, l'occasion nous est donnée, frères et sœurs, de revoir le charisme que notre fondatrice nous a légué. L'esprit missionnaire. Parce que si nous voulons être saintes comme elle, eh bien, nous sommes appelés à vivre en communauté. L'on ne devient pas saint en étant isolé. On est saint lorsque l'on vit dans une communauté où l'autre pourra bien évidemment te dire tes défauts et accepter que personne n'est saint et sainte. Que tous, autant que nous sommes des pécheurs. Mais nous savons seulement pointer du doigt à X ou Y personnes parce que l'autre ne contribue pas lorsqu'il faut faire des cotisations, parce que l'autre arrive toujours en retard.
parce que l'autre va toujours se gargariser parce qu'elle a telle opportunité ou parce qu'elle a en capacité ou elle est en capacité décisionnelle, toujours en train de critiquer. Au lieu d'appeler ta soeur, ton frère, et de procéder à la correction fraternelle, eh bien, on va voir le Père Lucius. On va voir le Monseigneur, parce que l'on voudrait montrer aux yeux de nos responsables que, bien évidemment, nous sommes immaculés. Il n'y a qu'une seule immaculée, c'est la Vierge Marie. Procéder à la correction fraternelle. Il nous est donné aujourd'hui l'opportunité, frères et sœurs, de revoir les principes de nos communautés, de notre congrégation. Où allons-nous véritablement? Où allons-nous véritablement? Est-ce que notre sainte qui nous est donnée, est-ce qu'elle pourrait être fière si elle revenait dans notre communauté, dans notre congrégation, et dit oui, vous avez été fidèles à mon esprit missionnaire, au charisme que je vous ai donné. Les pauvres, il y en a, mais le tout premier pauvre, c'est celui ou celle qui est à côté de nous. Parce qu'elle souffre. Elle souffre du fait que tu n'arrives pas à t'ouvrir. La personne souffre du fait que tu critiques jour et après jour. Elle souffre parce que nous ne connaissons pas la vraie fraternité. Nous ne savons pas considérer l'autre. Notre sainte nous parle de miséricorde. Elle nous parle de responsabilité. Et lorsque j'ai lu plus ou moins quelques éléments de sa vie, je me suis rendu compte qu'en 1853, elle a abdiqué. Elle a renoncé au supérieurat général. Et bien sûr, c'est Hélène qui l'a remplacée. Et une année après, elle est partie rejoindre son époux, le Christ. Elle a abdiqué, renoncé. C'est nous apprendre aussi à être humble. Lorsque l'on te donne une responsabilité et tu sais que tu as des capacités, des aptitudes, alors vas-y et fais-le pour le bien de l'Église et de Dieu, pas pour ton propre bien. Au lieu de régner en maître et seigneur, responsable, aujourd'hui je règne. Mais il faut aussi apprendre à descendre et dire que l'autre est capable, que l'autre peut. Et évitons, frères et sœurs, évitons de faire pour Dieu. Évitons, frères et sœurs, d'accomplir des actes pour Dieu. Mais laissons Dieu accomplir ses actes à travers nous. Nous ne sommes que des instruments. Nous ne sommes que des objets qu'il voudrait utiliser pour que sa mission s'accomplisse. Alors nous sommes invités, non seulement aujourd'hui à célébrer notre sainte, et je l'ai dit à l'entrée de notre célébration de l'Eucharistie, à repartir dans les origines, dans la genèse et le commencement. Quel est cet esprit qui a poussé notre fondatrice à créer la congrégation, à être au service des pauvres, des marginalisés, des souffrants, des prostituées, des personnes que l'on met de côté parce qu'elles n'ont pas la capacité comme nous intellectuelles, parce qu'elles ne sont pas pédantes comme nous, parce qu'elles ne parlent pas mieux français comme nous. Nous les mettons de côté, incapables. Celles que nous avons célébrées hier ou avant-hier, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, on nous dit qu'elle n'avait pas de capacité intellectuelle ou physique, mais nous savons ce qu'elle a fait. Et de même pour notre fondatrice. Elle nous a laissé un héritage que nous devons garder coûte que coûte et que nous devons laisser intact parce que cette œuvre vient de Dieu et elle s'accomplira que vous soyez là ou pas. Alors disons tout simplement comme le dimanche, nous ne sommes que des serviteurs et des servantes de quelconque. Nous avons fait la volonté de Dieu.
que la gloire lui revienne et non à nous. Alors prions. Prions pour que, par l'entremise de notre sainte patronne, notre fondatrice, le Seigneur davantage nous prenne en grâce et nous bénisse. Qu'il nous donne un esprit d'humilité, qu'il nous donne un esprit d'amour, de miséricorde, et à vivre ses vertus dans nos communautés, dans nos familles, dans notre pays. Et prions pour que l'amour du Seigneur demeure toujours sur nous, comme notre foi est en lui. Amen. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, veuillons nous lever et présenter nos intentions personnelles, les intentions de nos communautés, de notre congrégation, les intentions de notre pays, nous avons des pays voisins. Présentons au Seigneur nos intentions enfouies au plus profond de nos cœurs, que par l'entremise de sa servante, le Seigneur davantage exauce ses prières et qu'il nous bénisse. Célèbre ce lundi 3 octobre 2022 la sainteté de Charles-Émilie de Villeneuve. Par son intercession, prions le Seigneur pour l'Église et ses pasteurs, le pape François, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses, afin que l'humilité et l'amour soit la base de la mission dont ils ont la charge. Ensemble, prions le Seigneur. Par l'intercession de Sainte Jacques-Émilie de Villeneuve, prions le Seigneur pour les dirigeants du monde, en particulier ceux de notre cher et beau pays, le Gabon, afin que la paix et la justice soient au centre de leurs décisions pour le bien-être de tous. Ensemble, prions le Seigneur. Par l'intercession de Sainte Jade-Émilie de Villeneuve, prions le Seigneur pour toutes les fois où nous n'avons pas été des bons samaritains pour nos frères et sœurs, afin qu'il nous accorde la grâce d'aimer et d'exprimer notre amour du prochain par des actes concrets de compassion et de charité. Ensemble, prions le Seigneur. En pensant à notre sœur Marie-Céline Tsab, responsable de la CEVD Sainte-Jeanne-Émilie de Villeneuve,
Prions le Seigneur pour les démunis et ceux qui sont abattus par les épreuves de la vie, afin de partager avec eux ce que sa main nous donne, notamment les pauvres, les malades, les orphelins, les personnes abandonnées. Ensemble, prions le Seigneur. Par l'intercession de Sainte Jeanne-Émilie de Villeneuve, prions le Seigneur pour nous tous ici rassemblés, pour la congrégation et la CEDG Sainte Jeanne-Émilie de Villeneuve, afin que le Seigneur ouvre les oreilles de nos cœurs et nous fasse comprendre le sens de sa parole, pour qu'elle illumine nos vies et éclaire nos chemins, afin que nos pensées, nos paroles et nos actes, tous les jours de la vie, nous fassent devenir des véritables instruments de ton amour. Ensemble, prions le Seigneur. Nous voulons demander au Seigneur de les accueillir auprès de lui, qu'ils intercèdent pour nous et qu'ils contemplent le visage de Dieu. Dans ton amour, écoute nos prières. Ta miséricorde. Et comme nous ne pouvons subsister sans toi, soutiens-nous maintenant de tes bienfaits pour que nous progressions jusqu'à l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Et tous les défunts de la famille. Benoît Elam, Francisca Mokom, Françoise Mandomela, Ngema Solomon, Ondo Delphine, Ossier Obian Marie, Pila Monfoumane, Émilie Obon Oba, Serge Ekorozo Obian, Amba Ezan François, Thérèse Ayoumanamba, Bifoum Mondo Véronique, Emmanuel Ombonella, Jean-Marie Mobia, Elvis Ndom Asumu, Virginie Ada Asumu, Anaclé Béasmo, Rose Andom Meunier, Joseph Mba, Eric Obam, Elan, Alain, Philomène Mokui Mamba, Jeanne Onfono Estolon, Benoît Ondo Obam, Joséphine Zanetou. Et nous voulons de manière particulière, Seigneur, te présenter la conversion effective, l'amour et la protection de Jacques Meilleux Akwe, de Herbert Mbé Akwe, de Jean-François Mbakwe, par l'intercession de Saint-Michel-Archange et de Sainte-Jeanne-Émilie. Nous voulons aussi, Seigneur, de manière particulière, te présenter en action de grâce avec les postulantes qui fêtent leur anniversaire d'entrée au postulat. Que toi, Seigneur, tu fortifies leur foi. Nous te prions aussi pour toute la congrégation, les sœurs bleues dans le monde entier. Nous voulons aussi te prier, Seigneur, pour l'âme de Paul, le grand-père, le grand-frère de sœur Thérèse Nimba. Et nous te rendons grâce, Seigneur, au cours de cette célébration, par l'intercession de Sainte Jeanne-Émilie de Villeneuve, pour les bienfaits du Seigneur, dans la congrégation des sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée Conception, la famille charismatique bleue, la communauté de base, Sainte-Émilie de Villeneuve, en demandant la bénédiction divine sur chacun et chacune des membres. Prions, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le Saint-Denis. En reconnaissant les merveilles que tu as accomplies, Seigneur, dans l'âme de la bienheureuse Jeanne-Émilie, nous te supplions humblement, toi qui aimais sa vie,
tout imprégnés de l'Évangile, acceptent l'hommage de notre liturgie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Notre Seigneur, tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour et miséricorde. Et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous rassure un appui. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons Seigneur et nous exultons de joie en proclamant. Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous
le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce et le remplit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Patrick Ibaba, tous les évêques, les prêtres, les religieuses, les catéchistes. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, d'une manière particulière, tous ceux dont nous avons cité les noms. Accueille-les dans ta lumière, la lumière de ton visage. Sur nos douces enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur la communauté des sœurs bleues. Nous implorons ta bonté sur la communauté Jeanne de Villeneuve. Nous implorons ta bonté sur nous tous qui participons à cette Eucharistie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait la joie au long des âges,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos cœurs, donne la paix à nos familles. Donne la paix à nos communautés, groupes et mouvements. Donne la paix à nos congrégations, à notre pays, le Gabon, aux pays voisins, plus particulièrement au Burkina, en Ukraine, en conflit avec la Russie. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et à nous qui sommes ici rassemblés en ton nom, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. La paix du Christ. Amen. Oh, I want to lay a meal. Oh, yeah.
Toi, c'est le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne la nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Thank you.
celle qui même sera aimée de mon Père et de Seigneur. Nous viendrons chez lui, nous viendrons chez elle, nous irons demeurer auprès de lui, auprès d'elle. Prions encore le Seigneur. Sois béni, Seigneur, par cette nourriture que tu nous as donnée. Nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore, afin qu'à l'exemple de la bienheureuse Jeanne-Émilie, portant dans notre corps la passion de Jésus, nous cherchions à le vivre que pour toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Alors, pour montrer à Dieu que nous sommes tous et toutes en joie et en paix, nous allons prendre. Je sais que si je dis un chant, ce sera vous partir. Deux chants d'action de grâce. Parce que vous enchaînez le plus souvent la paix du Christ. Amen. On vous donne deux. Amen. Faites-nous bien.